Non, j'ai remis le. En fait, c'est que suite à la mise à jour. Comment ça s'appelle? Nvidia, ça a refait le même problème. Ça me coupe les sources audio sur le. Sur OBS. Du coup, merci à toi, SauceGuys, pour le follow. Et salut Linexa, ça va? Et toi? Hop, genre le live. C'est la reprise, hein. Ça va le faire. Du coup, ouais, parce qu'en gros, période d'examen. Donc c'est fabuleux. Quel bonheur. Ah, j'étais en full révision et tout. Du coup, ça doit faire peut-être 3 semaines que j'ai pas live. Ouais, j'ai vu sur le retour le micro s'est mis. Ça doit faire 2 ou 3 semaines que j'ai pas live. Donc, tant que je remette les trucs et tout. Ça montre à quel point j'ai pas live parce que le dernier jeu qu'on a fait c'est Alice Madness Returns. Sauf que les vidéos DS sont déjà en upload sur la chaîne. Commencer l'upload. Et en plus de ça, j'ai fini de monter tous les épisodes. Ça montre à quel point on a de l'avance. Donc là, on va faire Pikmin 4. Il va y avoir une grosse section Pikmin 4. Ensuite, on va faire. Les deux Zelda, enfin Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Et après, on reprend Shin Megami Tensei 5 et on reprend Temtem et Xenoblade Chronicles 3. En fait, on a trop de gens en cours. Il faut que Nintendo arrête de sortir des jeux ou alors j'arrête de travailler, mais ça. Ça serait plus compliqué parce que si j'arrête de travailler, j'ai plus d'argent. Donc comment j'achète les nouveaux jeux Nintendo qui sortent? Et ouais, c'est dommage. Alors qu'est-ce qu'il me dit? On dit ça. Oh, oui. Des gens qui prennent rendez-vous avec moi pour ça, c'est disponible sur Discord. C'est fabuleux. Vendredi soir, c'est bon, j'ai le temps de me revenir. Parce que ça aurait passé les choses. Sans travail, je paye pas. L'argent sans argent, je paye pas. Mais c'est ça? Putain, ma manette est en train de charger en même temps. C'est ça en fait le souci. Non, et puis en plus, le pire, c'est que là, je vais essayer de lancer un maximum de jeux. Parce que. Annonce Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1 qui sort le 19 septembre. Avec un pack pour avoir Homelander et Omni-Man. J'ai trop hâte. Vivement. Je sais pas si je le. Ouais, je pense que je vais prendre sur PC. Je vais pas prendre sur console. Je vais prendre sur PC, je pense. Ah, mais ça va être incroyable. Omni-Man, quoi, dans Mortal Kombat. Avec sa puissante moustache et Homelander, ça va être n'importe quoi. J'ai trop hâte de voir les fatalités qu'ils vont leur donner. Je crois que ça va être incroyable quoi. Et après, donc, hormis tous ces jeux qu'on doit faire, il y a les vidéos Flipper Zero qui vont sortir. Bon, il y en a une qui est sortie aujourd'hui. Il y en a d'autres qui vont sortir. Notamment sur bah, comment le mettre à jour, ce genre de trucs. Et ils ont mis un App Store. Ça va être trop bien. Il va falloir que je m'amuse à expliquer bah, toutes les applications que j'ai installées. Bon, les jeux, je vais pas me faire chier, je vais en faire un par jeu. Clairement, je suis pas de race. Hein. Je vais montrer un peu les jeux qu'il y a. Après, bon, les autres fonctionnalités, bien sûr. Parce que, après tout, on n'utilise pas le Flipper que pour jouer. Bah, j'ai utilisé aujourd'hui pour ma présentation. C'était sympa. Avec la possibilité de l'USB en remote. Version souris. Tellement plus pratique de se balader avec un câble de 2 mètres raccordé au PC pour pouvoir. pour pouvoir changer les slides. C'était fabuleux. Mais bon, j'aurai pas mes résultats tout de suite. Ça, c'est un peu chiant. Comptez 2 à 3 semaines. Mais je ferai un podcast pour annoncer mes résultats. Et puis voilà. Elle est où ma bouteille d'eau? Elle est là-bas. Attendez.
Ah ouais, parce que de toute façon, le jeu est sorti le 21 juillet. Donc autant laisser du suspense, hein. Tout le monde a dû aller voir tous les autres streamers qui ont joué à Ping Ping 4. Vu que c'est leur travail. Moi, c'est que mon deuxième travail. C'est ça que j'en profite pour raconter un peu ma vie. C'est fabuleux, j'adore la vie. J'adore l'eau aussi. Parce que de toute façon, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc, autant en profiter maintenant. Et ouais, d'autres vidéos d'opening Yu-Gi-Oh! De prévu. D'autres vidéos Pokémon. J'en avais acheté pendant une brocante. Et là j'ai eu un nouveau paquet. Donc à part que je vous présente les cartes. Dont une carte fantastique. J'adore la vie. J'adore quand j'ai de la chance là-dedans. Cette carte est merveilleuse. Et il faut aussi qu'on parle du Pokémon Go +++. Et de Pokémon Sleep. Et ouais. Du coup voilà. Il va juste falloir que je cherche les infos sur Pikmin 4 pour la présentation pour YouTube. Et après je pense qu'on va pouvoir jouer. Pikmin 4. Ah, oh, il a eu 16 sur 20. Incroyable. Ça m'énerve ça, les avis. C'est un jeu qui est pas très joli. C'est bon, tu joues à la Switch. Commence pas à faire chier avec les graphismes. Ah oui, moi tant que l'écran n'est pas en 144Hz et qu'il n'y a pas 325 FPS constant, je trouve que le jeu n'est pas beau. Ouais, c'est ça, ta race. Va voir là-bas si j'y suis, là, et arrête de casser les couilles. Allez, soyons sérieux, c'est parti. Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier épisode de votre aventure sur Pikmin 4. Donc, jeu sorti le 21 juillet 2023 sur la Switch, développé par Pokémon. Par Nintendo EPD et édité par Nintendo. Donc, en genre, c'est bien sûr un jeu en stratégie en temps réel. En mode un joueur ou multijoueur. Et du coup, version multilingue. Au niveau des notes... elles sont pas encore sorties. Mais j'ai vu un 16 sur 20 sur certaines boîtes. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai jamais fait les autres Pikmin. J'ai déjà vu... Enfin, j'ai déjà regardé les vidéos des autres jeux. Mais je les ai jamais fait personnellement. Donc je me suis dit que ça peut être intéressant de faire ce petit Pikmin 4. Ah mais c'est trop ça, c'est les gens genre ouais alors moi je joue à ça, c'est fabuleux, Tetris Battle Royale, et j'ai un PC à 7000€. C'est comme si t'avais un PC à 3000 balles et tu jouais que aux jeux qui sont sur Facebook. Respecte-toi à un moment Michel. Le duel Tandoori, disputé en solo ou à deux joueurs d'une compétition qui fera appel à tous vos talents de planification et de stratégie. Alors on va faire l'histoire déjà. À sauver des autres objets à l'aide des Pikmin dans une grande aventure sur une planète inconnue. Votre progression sera sauvegardée automatiquement. Vous verrez l'icône P s'afficher dans le coin supérieur gauche de l'écran quand le jeu effectue une sauvegarde. Combien de joueurs serez-vous? Bah, un seul. C'est déjà bien. Ça marche, merci d'être passé sur le live. Repose-toi bien ou joue bien, je sais pas ce que tu fais actuellement. Du coup. Bonsoir, Captain Olima. Windu Windu, Kero, Nuru, Tadorupin. Bé, Debli. Bon live à toi du coup.
Hélas, Maker. Je ne suis pas sûr. Là-bas. Tu ne le para. Timara Moro. Brookpen, Webo. Pukna, tu pikmi. Je sais pas si dans le jeu c'est comme genre Animal Crossing, ils ont leur propre langue ou si là il est doublé en japonais. Windows para Rivari Kefna. Pas comme dans Pokémon, il n'y a pas eu une petite référence à la Switch au niveau de la télé. C'est très joué à quelque chose de différent des autres lieux que nous avons explorés. Eh mais où allez-vous comme ça? Complètement taré ces Pikmin. Ah voilà qu'il ne me plaît pas du tout, d'habitude les Pikmin ne s'enfuient pas dans tous les sens comme ça. Je suppose qu'il ne reste plus qu'à les rappeler au fur et à mesure tout en cherchant les pièces qui me manquent. Ah là du coup il va manquer quoi? Il va manquer le pied, il va manquer les hublots. Le dessus là. Ah Zedel, ouais c'est parce que... Il semble... Il doit y avoir des Pikmin quelque part par ici. Alors, à tous les coups, il se cache derrière ces objets. Détruisons-les pour voir. Comme ma chaîne saute, je peux en profiter pour lui faire accumuler de l'énergie. Il suffit alors de maintenir X, de viser, et quand elle sera prête, de la faire charger à toute allure. Hop. Pikmin, les Pikmin rouges. Ah, je me doutais qu'ils étaient cachés ici. Je vais maintenir B pour les rappeler avec mon sifflet. J'aimerais savoir pourquoi les Pikmin se sont enfuis à notre arrivée ici. Je devais noter tellement dans mon journal de bord pour garder une trace. Ajoute au journal. Cela peut toujours être utile plus tard. Pour moi ou pour un autre aventurier. Bon, comment formuler ça? Dans le comportement. Dès la sortie de l'Union, ils ont filé se cacher. Sans eux, je ne serais pas récupéré à mon entreprise de mon vaisseau, je vais aller chercher et tout s'il a rappelé que mon sifflet.
Je vais rechercher les pièces du vaisseau qui me manquent. Mais pour ça, j'ai besoin de l'aide des Pikmin, il faut les retrouver. Là-bas. Hop. Le Pikmin jaune. Ah, c'est A pour les envoyer. Il n'y a pas à cacher derrière le coussin, non, c'est bon. Là-bas, il y en a. Du mal à sauter. J'ai plus rien. Il y en a là-bas. On en a là-haut, au niveau de l'escalier. Bah, il y a sans doute une pièce de mon vaisseau dans les environs. Dans cette situation, je ferais mieux de me fier à mon flair de ma partenaire canine. Eh, ma chienne cherche une pièce. Juste là. Placez-moi la piste à présent. Attends, bon, elle est encore là-haut. Hein. Hop. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, une créature! Je ne vois aucune pièce par ici. Cette créature l'aurait-elle avalée? Ces piquants empêchent de l'attaquer. Il faut que je trouve une solution. Je pourrais maintenir X pour que Moss accumule de l'énergie, puis charger cette dernière au bon, cette créature au bon moment. Je vais tourner autour d'elle en attendant que l'occasion se présente. Que l'occasion de l'attaquer se présente. Bien. Maintenant. Ouais, cassez-lui la gueule. Waouh. Oh, mais c'est la radio interstellaire de mon vaisseau. Je l'ai enfin retrouvée. Avec cette pièce, je vais pouvoir lancer un appel de détresse. Waouh. Eh, belle et belle. Ça y est,
n'est-ce pas là ? Lui, pendant ce temps. C'est quoi cette planète de mauvais ? La musique, elle est incroyable. Oh là, la gueule du truc, quoi. J'ai eu de la l'air un peu blasé. Ouais, en bleu comme ça, c'est bien. Hop, une petite tenue violette là. Ah, c'est bon pour le nom. On est ok. Planète Karout. La dernière recrue de l'équipe de secours a, malgré son inexpérience, accepté la mission de sauver les autres secouristes disparus. Eh oui, Michel. Ouais, mais la différence entre eux et moi, malgré le fait que j'ai pas l'expérience, c'est que moi je vais pas me cracher, je pense. Et voilà, un atterrissage parfait. Rien à dire. Ouais, c'est pour ça qu'on a pas de chien au début. On arrive tout seul. Chien. Jeune chien fidèle issu d'une longue lignée de chiens de l'espace au service des Shepherds. L'enchant de Lima et sa première mission. Et voilà, déjà ça c'est fait. Ouais, allez hop. Il y a encore 6 tocards à trouver. Parce que le chien compte pas, ça, l'animal. Les autres c'est des tocards, ils sont crachés là, comme des cons là. Ah bah y'a Jean-Michel là qui est en train de cuver là. Hey, tire, vas-y. Il est content. Avec toi. Avec toi, Jean-Michel. Ah, la gueule qu'il a. Les étoiles se louaient. Je m'étais pas sûr que mon SOS soit parvenu au QG. Alors comme ça, un chien et toi avaient réussi à me retrouver tous les deux ensemble. Allez. C'est surprenant. J'ai jamais vu un chien obéir à personne à part notre capitaine.
Oh, je devrais l'avoir présenté. Je m'appelle Colin. Colin. Parce qu'il y a deux L. Colin. Je serai l'opérateur radio de l'équipe de secours. Je suis opérateur radio d'équipe de secours. Colin. L'opérateur radio a été retrouvé. Colin. L'opérateur radio de l'équipe de secours. Cela fait un membre en deux mois à manquer à l'appel. Nous sommes donc passés les autres secouristes. Un glissement de terrain m'avait coincé ici et la fin devenait intenable. Je préférais économiser mes forces en sommeil artificiel. C'est complètement con, t'as vu où t'étais placé? Il y a un oiseau qui passe, il te bouffe, mon pote. Hein. Tu vas être toute nouvelle recrue, non? Zurbama, c'est bien ça. Sache que je suis extrêmement reconnaissant de m'avoir sauvé. Comme je l'ai dit, c'est moi qui ai envoyé le signal de détresse. Je ne sais pas où est passé le reste de l'équipe de secours. Nous avons laissé atterrir en catastrophe. À l'arrivée de notre posteur à la planète, nous avons perdu le contrôle du véhicule, du vaisseau. Que s'est-il passé? Je n'en ai aucune idée. Nous étions une équipe de 6 à bord, mais lors de l'évacuation d'urgence du vaisseau, se retrouvés séparés. Nous étions venus ici pour secourir Monsieur Olimar, dont le vaisseau s'était écrasé, et au final, subissons le même sort. Voilà qui est pour le moins embarrassant. J'ai reçu la confirmation de notre vaisseau, le Shepherd, avait effectué un atterrissage d'urgence non loin d'ici. Mais je ne pouvais pas le rejoindre par mes propres moyens. Maintenant que tu es là, peut-être y parlerons-nous ensemble. Et si nous avons de la chance, il se peut même que nous croisions en route d'autres membres de l'équipe égarés. Ah! Avant que j'oublie, je te remets ceci. Une tablette Switch. C'est une Switch, mais sans les Joy-Con. C'est incroyable, hein? C'est spécialement conçu pour la communication de l'équipe de secours. Par chance, j'en ai toujours une de réserve. Il te suffit d'appuyer sur flèche du haut pour consulter notre liste de missions. Liste des missions. Cette application te permet à tout moment de vérifier quelle tâche tu dois accomplir en priorité. Il existe d'autres applications pratiques pour la tablette, mais il faudra attendre que j'ai l'occasion de te les installer. Pour le moment, souviens-toi que tu peux à tout moment ouvrir la liste des missions en appuyant sur flèche du haut. Mais si tu appuies sur moins, tu peux choisir dans les options de raccourci d'assigner à divers boutons la fonction de ton choix. Bien, mettons-nous en route pour rejoindre le Shepherd. Allez, suis-moi, colle-là. Ah bah ça va, il était pas loin. Enfin, j'aperçois le vaisseau. Mais je ne vois pas du tout comment nous allons faire pour l'atteindre d'ici. Oh, mais tu sais, cette zone me paraît familière, ça me rappelle quelque chose. C'est juste un peu plus loin. Allons-y. Cette planète a des plantes gigantesques. Est-ce que les plantes sont grandes ou est-ce que c'est parce que lui, il est minuscule? Regarde, voilà la solution. Il y a une sorte de passage qui débouche là-bas. Il faut encore trouver un moyen d'emprunter, mais ça nous ferait ressortir juste en face du Shepherd. Voilà une tâche pour un chien sauveteur. Creuser les trous, c'est leur spécialité. Bravo, chien. J'ai pas le temps de la suite. Nous y sommes presque. Hé bah pourquoi notre équipe de secours est si fière de ces chiens sauveteurs? Tiens, serait-ce sa trou semblable à celui que nous avons vu tout à l'heure? Bien joué, votre chien. Je vois si les deux trous sont reliés là à d'autres sous terre. Bah, le seul moyen c'est d'y aller. Hein. Ça a l'air assez profond. Je crois que nous n'ayons d'autre choix que d'y sauter et de nous laisser tomber. Voilà l'attitude qui me plaît, c'est parti. Mais c'est quand même dommage qu'il fasse ses chaussons là-dedans. Ça va, vous avez vos saloperies d'Empeten qui font de la lumière là.
Mais machin, il est encore plus éclairé qu'un sapin de Noël. Crois-moi que tu vas pas avoir. Tu vas pas trop être dépaysé dans le souterrain. Et là, les deux sont morts. Donc en fait, on vit un rêve, hein, là. On est dans le coma. Hey, qu'est-ce qui t'arrive, votre chien? Il essaie de nous dire quelque chose. Il y a peut-être par ici un membre de notre équipe. Ah, bah génial. Sans blague, Michel. Ah bah il est là. Ça alors? Ce n'est pas l'endroit où je l'attendais trop, le capitaine. Non mais... Oh là, le capitaine, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en transe ou quoi? La personne que tu vois perché là, c'est le capitaine de l'équipe de secours. Tu l'as vu, d'en bas? Bah tu m'étonnes que vous êtes fait cracher, les gars. C'est pas un moment pour le son d'histoire. Colelin, dépêche-toi d'intervenir. Il est servi par des créatures. Vous savez, le danger est là, écarté. Nous sommes débarrassés des créatures qui rôdaient en bas, capitaine. Est-ce que vous pouvez descendre? Je l'espère, j'ai les bras tout ankylosés à rester agrippé ici aussi longtemps. Allez, courage, je peux le faire. Comment est-ce que tu vas, Colelin? Tu n'as rien de cassé? Capitaine, ne serait-ce plutôt à moi de vous poser la question? Enfin, je suis soulagé de voir saine et sauve. Ah, je me souviens de toi, la formation des recrues. Tu l'as oublié. Je suis la capitaine Shepherd de l'équipe de secours. Dis-moi, tu as toi-même ordonné à votre chien de se débarrasser de ces créatures, Zorbama? Bizarre, votre chien est pourtant censé n'oublier à personne d'autre que moi. Ah, peut-être quelqu'un aussi fragile là? Quand tu chien va être respecté? Eh bien, il faudra que ton séjour en centre de formation des recrues a été très efficace. Tu sais, dès notre première rencontre, je me suis dit que tu avais du talent pour le dressage des chiens. Depuis 4 années de génération, rien que ça. Eh ben. Elle est vraiment laide, cette capitaine. Capitaine, je voudrais pas vous déranger, mais qu'est-ce que vous faisiez ici au juste? Avec moi, sur place, j'ai découvert un trou suspect. Je suis penché pour aller à l'intérieur et je suis tombé. J'ai erré dans cette grotte à la recherche d'une sortie et c'est là que je suis tombé sur ces horribles créatures visqueuses. Attendez un peu. Vous êtes tombé dans le trou qui est à proximité du Shepherd? C'est justement dans l'espoir de rejoindre ce trou par le sous-sol que nous sommes entrés dans cette grotte. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend alors? Rejoignons vite le Shepherd. À vos ordres! Eh bien, tu ne dis rien? Quelque chose te pose un souci, Obama? Au sein de l'équipe de secours, en répondant à vos ordres, pour dire entendu, on va la refaire. Rejoignons le Shepherd! Non, là, je regarde en mode. Vous êtes tous cons dans votre équipe ou ça se passe comment? C'est pas étonnant que vous soyez crashés, hein! Ah, très bien, c'est là pour que vous l'entendez. Je vais te mettre une claque totale. Cela dit, consulte donc le guide des secours pour te préparer aux missions de notre équipe. Elle contient divers conseils utiles. Regarde avec cette tablette Switch violette, par exemple. C'est incroyable! Tout ce qu'on peut faire avec. Tu peux y accéder via la tablette à tout moment que le bonheur se fait sentir. Et appliquer ses conseils sur le terrain. Ocha et toi semblez vous êtes bien entendu, alors vous serez désormais officiellement partenaire de mission.
Je observerai tous les deux avec attention pour évaluer tes talents de dressage de chien sauveteur. Ouais, enfin moi en attendant j'ai pas peur des limaces quoi. Hop là. Ah, c'est ici que je suis tombé. Eh bien, vous avez de la chance d'être sain et sauf après une chute pareille. La vraie question maintenant c'est comment allons-nous remonter là-haut? Et voilà. Ça valide ce que je dis. Ils sont complètement charbés et débiles dans cette équipe. Genre l'autre à croire qu'on aurait pas pu vérifier quoi. Excuse-moi, Zorobama, je te suggère à l'avenir de faire preuve de puissance face à ce qui ne t'est pas familier, mais ou peut-être ne pas y toucher. Merci. Je suis tout à fait d'accord, même si dans le cas présent, ton comportement réfléchi te permet de sortir de cette grotte. Ah, vous avez pas au plein de bande de cons. Parce que moi, je leur fous dans le trou là, vous allez vous démerder, les gars. Et moi, capitaine, j'ai marqué le terrain avec le drapeau de l'équipe de secours, faisant à présent le rapport des activités menées dans cette grotte. Nous avons localisé et sauvé un naufragé et aucune autre personne n'a été trouvée au cours de nos recherches. C'est noté. Nous pouvons donc considérer l'exploration de cette grotte terminée. J'espère que cette expérience contribue à te préparer aux défis de notre métier. Il y a des vies qui dépendent de nous. En tout cas, vous avez fait du bon travail aujourd'hui, Zorobama et Ochin. Bravo à tous les deux. Je pense que nous passerons sous silence le fait que c'est la capitaine elle-même que nous avons dû sauver ici. C'est vrai. Dis-moi, Colin. Tu as l'air différent depuis la dernière fois que je t'ai vu. Tu as changé de coiffure peut-être? Je vais pas avoir moins le temps pour ça, capitaine. Ma principale occupation a été de rester en vie, vous savez. Oui, c'est sûr. Tu as tout à fait raison. Et tu t'en es bien sorti d'ailleurs. Bien, nous y voilà. Voilà le Shepherd. C'est de la fumée qui sort du Shepherd. Je vais examiner ça tout de suite, pourvu que ce soit pas meilleure parole. Colin au rapport. Après examen à l'intérieur du vaisseau, j'ai constaté une surcharge du moteur. Il aurait suffi quelques secondes de plus et notre vaisseau aurait pu s'auto-détruire. Quoi? Oh non, c'est pas possible. Et là, le vaisseau est sauvé? Oui. J'ai déclenché les saxos d'urgence et la situation est stable. Heureusement, le moteur va pouvoir être réparé. Cependant, c'est aussi intégralement vidé les réserves d'énergie du vaisseau. Ce qui veut dire que nous n'avons aucun moyen de quitter cette planète, ni même de partir à la charge de Limar. Pas forcément. Je crois qu'il y a quelque part dans le journal de bord de Monsieur Limar qui pourrait nous tirer l'affaire. Voilà, ce passage-là. Lisez donc. Pour étudier en détail les objets étincelants entre cette planète, j'aurais déduit qu'elles doivent contenir du lumium. Même si j'ai la tête qui tourne d'avoir trouvé de vrais trésors, je dois rester concentré sur mon objectif, retrouver toutes les pièces du Dolphin. Grosso modo, d'après le journal, il y a sur cette planète des objets rares et étincelants que nous pourrons extraire, pourrions extraire du lumium pour le convertir en énergie. Si grâce à cette énergie, nous pouvons redémarrer et remettre le Shepherd en état, ces objets sont de véritables trésors. J'avoue être un peu sceptique. Mais au point où nous en sommes, nous n'avons rien à perdre. Ça pourrait bien être notre dernière chance. Bon, nous avons donc une nouvelle mission. Il nous faut trouver et récupérer le plus possible ces objets étincelants. À vos ordres. Apparemment, ils sont possibles. Ouais, ça, pas le truc. Une fois récupéré un de ces trésors, il nous faudra un moyen de le transporter.
de pouvoir utiliser le bagel pour ça. Mais il faudrait trouver un bon endroit pour le faire à terre à proximité. Tiens, qu'est-ce que c'est là-bas? On dirait que ça s'allumait. C'est peut-être une sorte de point de repère, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, ça me semble un endroit idéal pour établir la base de nos opérations. Fais venir le vaisseau ici. Repositionnement du beagle effectué. Bien, nos préparatifs sont terminés. Partons à la recherche de trésors. Ah mais ils vont me suivre là. Une Nintendo. Une Nintendo Advance SP, c'est incroyable. Et oui, c'est une Nintendo. Incroyable, c'est fabuleux. Nintendo, vous ici. Ah ouais, il y a une Nintendo ici, il y en a d'autres là-bas. Là. Pas toi maintenant, tu peux consulter ta carte pour vérifier s'il y a un trésor dans les parages. Génial. Excellent travail, voilà qui est de bonne augure pour la suite de notre mission. La question c'est, comment va-t-on transporter ça? Nintendo! Et bim! La Nintendo SP! Et bim! Game Boy Advance SP, quel plaisir de te voir ici! Oh, voilà qui aurait pu mal finir, ça aurait fallu peu. Ah, ça va, c'est pas une DS Tank. Hein. Des petits Pikmin. Qu'est-ce que c'est? Serait-ce un trésor? Non, c'est des Pikmin, c'est tout. Allez, creuse. Excavation est terminée. Ah non, c'est un vaisseau tentaculaire. Y'a pas de Pikmin? Ah si, un petit Pikmin là. Ah, ça fait des graines de Pikmin. Ah, vous avez vu ça? Cette chose a bougé. Je pense pas qu'il s'agisse d'un trésor. Je me demande comment ça... Je me demande ce que ça peut être. On dirait vaguement une sorte de plante. Et si c'était cette chose dont Monsieur Olimar parle dans son journal de bord? Il avait appelé ça un oignon. Si cette chose est un oignon, qu'est-ce que c'est alors cette pousse en dessous? Et bim, un Pikmin. Pikmin rouge. Oh ça, je crois que c'est un Pikmin. D'après le journal de bord de Monsieur Olimar, les Pikmin sont des créatures amicales et très serviables. Dans ce cas, ils pourraient peut-être nous aider dans nos explorations et notre recherche de trésors. Ah, vous avez vu, Ochan, les Pikmin ont l'air de bien s'entendre. Va donc te présenter aussi, Zorbama. Capitaine, vous comptez rester longtemps, vous cachez derrière moi? Excellente, en route. Ce trésor est volumineux. Comment allons-nous physiquement réussir à stocker des choses aussi grosses? Le vaisseau est muni d'un rayon lumineux spécial qui miniaturise les objets collectionnés.
Ça devrait donc pas poser problème. Ouais, parce que la Mega Game Boy Advance SP, ça va stocker, les gars. Oui, je détecte bien l'énergie. Si je réussis à récupérer 250 unités supplémentaires de Lumium, devrions pouvoir faire redémarrer le Shepard. Mais il semblait que le Shepard était censé être alimenté en énergie par un carburant à un indice d'octane élevé, non? On doit pouvoir le modifier pour l'alimenter à la place avec du Lumium, même si notre voyage risque d'être plus mouvementé. Mais avant d'entreprendre une telle modification, il faudra déjà réussir à nous en procurer nettement plus. Alors il ne reste plus qu'à fouiller la zone pour trouver d'autres trésors. Et bim! Et voilà, des petits Pikmin. Oh, d'autres pouces sont sortis de terre. Apparemment, cette espèce de fruit rouge s'appelle un jeton. Si on apporte à le nom, il produit davantage de Pikmin. Voilà une forme de vie bien mystérieuse. Te fais pas dire, Michel. Hop. Hop. Et hop. Ah, c'est bon, là j'en ai avoir 10 normalement. J'en ai 11. Et voilà. C'est trop drôle le bruit qu'il faut quand il marche. Excellent. Ah bah, je vais encore récupérer un Pikmin. Deux Pikmin. Hop. Hourra. Enfin, mais un tandem fantastique, Zoroba Mayoch. Un tandem album de Wham. Oui, c'est bien, continuez comme ça. Les Pikmin sont très obéissants et se déplacent et travaillent comme des chiens sauveteurs miniatures. À présent, il faudra extraire l'énergie contenue dans ces trésors. Allons, mets-toi au travail, Colin! Eddie.
Ça y est, nous allons pouvoir à présent extraire l'énergie des trésors et remplir ainsi en partie le réservoir du Shepherd. Hop, je te mets une Game Boy Advance SP. Je te mets une sonnette. Je te mets une fourchette rose. Et bim, ça redémarre. Par contre, il est crade. Vous pouvez pas passer un petit coup de polish là? Le Shepherd a redémarré. Nous avons réussi. Notre vaisseau est redevenu opérationnel. Il n'y a pas encore assez d'énergie pour le faire voler. Mais avec le radar, nous allons pouvoir localiser ce courrier disparu. Excellente nouvelle, Colin. Mets-le tout de suite en service. Et vois si tu captes le moindre signal. Oh, je capte en effet plusieurs SOS. Il pourrait même des membres de notre équipe portés disparus et même peut-être de Monsieur Limar. Allons, il n'y a pas un instant à perdre. Il est temps de partir à leur rescousse. Résultat jour 1. Sauvetage. Lithium connecté. Lignium connecté. Tiens. C'est alors, notre vaisseau nomme automatiquement les objets collectés. Pic de princesse, dalle avancée et ouvreur de chemin. Excellent. Comme nous croisons souvent en mission des éléments inconnus, j'ai fait installer une IA de nommage sur tous nos nouveaux vaisseaux. Un expert évaluateur renommé a collaboré à sa conception et elle marche bien mieux que ce que je m'y attendais. C'est excellent. C'est pas une mauvaise idée, mais une alimentation en énergie de secours nous aurait peut-être été plus utile. Allez, bam, dans ta gueule. C'était pas rassurant de voir cette fumée sortir du Shepherd. Je ne savais pas trop comment ça allait se terminer. Je suis bien content que nous ayons réussi à le réparer. Nous avons survécu à la dure sur le terrain. Mais ça fait du bien de retrouver un peu de confort et d'avoir de vrais repas. À propos, tu es bien sûr que nous avons suffisamment de rations de survie, Colin. Tu sais combien de temps nous allons devoir rester sur cette planète? J'ai déjà fait l'inventaire du stock 3 fois, capitaine. Je peux recommencer. Ça serait plus prudent. Pendant ce temps, profitez de la nuit pour bien vous reposer, Zoroba Mayocha. Demain, vous partez en reconnaissance. Vous avez d'ailleurs intérêt à consulter la liste des missions avant d'aller dormir. C'est pourquoi l'énergie 1500. Eh ben, faites pas chier les gars. Mission de secours jour 2. J'ai plus de Pikmin, mais ça se passe comment là? Faut que je les refasse encore hein. Bien, je crois que tout le monde est là. Commençons par notre réunion de stratégie matinale. Voici le rapport sur notre situation. À ce jour, nous avons réussi à sauver 2 secouristes et 1 chasse-sauveteur grâce aux efforts de Zorobama. Les 4 autres membres de l'équipe n'ont en revanche pas encore été localisés. Et le Shepherd est hors service. En conséquence, notre mission première est qui reste le sauvetage de Monsieur Limar se retrouve plus ou moins suspendu. Notre priorité absolue est à présent de rechercher et secourir les autres membres de notre équipe. Zorobama, Ochin, rendez-vous dans la région où notre radar a capté des signaux de détresse pour tâcher de retrouver nos compagnons, nos camarades. Colin et moi allons rester au vaisseau pour se branler les couilles. Nous pourrons vous fournir au mieux, au besoin, instructions et conseils. Ne t'inquiète pas, nous serons en contact permanent avec vous grâce au système de télécommunication du Shepherd. Je ne confierai pas une telle responsabilité à une simple recrue en temps normal, mais au vu de tes actions, je t'en sais capable. Et puis à côté, à tes côtés, je sais que tu seras entre de bonnes pattes. Vous ferez une excellente équipe. Capitaine, que faisons-nous pour la mission de recherche de Monsieur Limar? Faut-il la déclarer officiellement suspendue? Non. Nous pourrons très bien le trouver en même temps que nous recherchons les autres secouristes. Je pourrais maintenir cette mission sur notre liste au cas où. Et sur ce, concluons là notre réunion de stratégie matinale. La séance est levée. Incroyable.
Ah, il peut pas passer. Hop. Et voilà. Ah, j'en ai encore plus que tout à l'heure. Hop. Oui, bah ça va Michel, oh. J'en fais mon équipe quand même. Pendant que toi tu te... hein, tu te masturbes sur le vaisseau là. Je peux t'apprendre que j'ai installé cet intérêt de nouvelles applications qui t'aideront sur le terrain, Zorobama. Je suis sûr qu'elles te seront très utiles, alors n'hésite pas à y jeter un œil quand tu en auras l'occasion. Voilà une bonne chose de faite, avec ça, tu devrais avoir tout ce qu'il te faut pour partir en exploration. Alors tu te sens d'attaque? Voilà les régions dans lesquelles tu peux te rendre. Les régions, il n'y en a qu'une. Te fous de la gueule de qui, Michel? Ah ouais, on y va avec le bagel. Et l'oignon va nous suivre. Ah! Bah là, tu crois qu'il allait faire quoi? Tu fais rien dans la mission, Michel? Tu crois qu'il va rester avec toi? Pas que ça fait, hein. Décaler un peu mon logo, comme ça vous aurez le visu. Hop. Sur le nombre de lumium à récupérer. Allez, c'est parti. Et c'est radio, et c'est radio aussi. Colin, je vois que tu as un seul morceau. Je te passe ta capitaine, elle va t'expliquer comment l'opération de secours va se dérouler. Tu me reçois? Bon. Tu vois l'horloge dans le coin en haut à gauche de l'écran? Elle est réglée de manière à ce que l'aiguille atteigne le côté droit au coucher du soleil. Recherche les secouristes portés disparus pendant la journée et assure-toi d'être de retour au camp de base avant la nuit. Ok. Compte sur toi. Oh, tu as peut-être remarqué que l'oignon a accompagné le bagel. D'après le journal de bord de Monsieur Limar, c'est aussi un moyen de transport des Pikmin. Il devrait être à l'intérieur. Soit pour t'aider, tout aide est la bienvenue. Non mais j'espère, j'en avais pas loin d'une vingtaine tout à l'heure. J'en ai 23. Je peux en avoir que 20 pour l'instant. Allez, cassez-lui la gueule à lui. On va faire les fleurs. Tiens, c'est pas sur rien. D'après ici Obito que je capte, le nombre de Pikmin à l'intérieur de l'oignon a augmenté, mais ensuite, peut-être que les Pikmin limitent
tout seul leur nombre en surface pour éviter de perdre trop lourd dans cas de pépin. Ouais bah c'est pas grave, le truc il va stacker quoi. Hey petit popotin, suivez-moi. Zobama, tu m'entends? Je veux bien un détail important pour essayer de retrouver les secouristes, tu vas avoir besoin de l'aide d'autres chiens. Avec son flair infaillible, il est capable de retrouver la piste des disparus. Maintiens Y pour voir le menu des actions et choisis les ordres avec L. Demande d'abord au chat de chercher une piste avec l'ordre cherche. Ça devrait suffire pour le moment. Mais par assaut de secours, tu ne cours contre la montre. Utilise tes capacités de Tandoori pour vite retrouver tout le monde. Tu viens dans le tête, tu as donc jamais entendu le terme Tandoori auparavant, Zorbama? Comment t'expliquer? Le Tandoori, c'est l'art de planifier tes actions à l'avance pour exécuter de manière optimale. Son usage n'est plus répandu aujourd'hui, mais ça reste un des principes de base de l'équipe de secours. Tu dois vite l'assimiler. Maîtriser l'art du Tandoori était censé pour une mission. Et tu en auras besoin pour retrouver les secouristes. Applique-le tout de suite. Ouvre le menu des actions maintenant Y et donne à autre chien l'ordre de chercher leur piste. Il me faut plus de... Ah bah ils ont détruit le mur. Le pire trop pas si on s'en plaint un trésor, mais ça pourrait quand même être utile. Voyons ce que dit le journal de Monsieur Limard. Matin au brut, au premier regard, on dirait une sorte de pierre, mais c'est une sorte biologique fossilisée comme l'ambre. Sur que soit la chaleur, elles fond en une masse argileuse, brune et très malléable. Aussi un matin au brut qui aura bien les applications. Je me débrouille bien avec les machines, mais je ne vois pas trop quoi faire avec ce genre de matin au brut. Si le trésor était là, il aurait probablement une idée. Continue à en ramasser. Je suis sûr qu'il sera ravi d'avoir une nouvelle expérience à mener quand nous l'aurons retrouvé. Vous avez vu ça, une fleur avec l'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Cette substance qu'on appelle du nectar, quand un Pikmin en consomme, ça stimule sa croissance. D'après le journal de bord de Monsieur Limard, plus ils en boivent, plus ils sont rapides. Ces créatures sont vraiment surprenantes. Regardez une autre grotte. Il y a pas mal de créatures par ici. Peut-être que les autres se réfugient dans les grottes pour leur échapper. Si c'est le cas, nous ferons mieux d'aller jeter un œil à l'intérieur. C'est parti.
Hop. Voilà, j'en ai 20. Alors, les jeux. Avec cible automatique, il est apte de changer de créature de visée sans le vouloir. Si ça arrive, il existe toujours regarder l'œil sur sa cible. Appuie sur ZR pour vérifier, pour verrouiller une cible de façon à ne viser qu'elle. Ça t'aidera comme contre une créature rapide ou si tu veux viser avec précision en même temps que tu te déplaces. Ouais, mais là pour l'instant, j'ai qu'un seul Pikmin. Allez, les gars. Venez-vous. On va aller là-bas, là, chercher le bonhomme, là, parce que... Vu qu'il faut être rentré à la base assez rapidement. Hop. Je me demande s'il fait mention de ses coordonnées dans Jean-Yves Le Bord. Ah, bingo. Grotte de l'air glaciaire. Le moins qu'on peut dire, c'est que Monsieur Limer est minutieux. D'après le journal, quand tu explores une grotte, il faut prendre des Pikmin avec toi. Le Beagle peut te les amener, comme ça tu as besoin de retourner à ta base avant de rentrer dans la grotte. Quant aux Pikmin qui restent à la surface, ils attendront ton retour dans l'Union. C'est parti. On va voir combien de toute façon. Hop. Nous avons trouvé la piste d'un naufragé. Avec un peu de chance, il pourrait s'agir d'un membre de notre équipe. Tâchons de se courir au plus vite. Hop. Ah mais pourquoi apporter ça? C'est pas un trésor. Tiens, trésor ou pas, on dirait que ça concerne le million. Du coup, autant continuer à récupérer les cadavres des créatures vaincues, ça sera toujours ça le prix. Tu m'étonnes. Hop. Une boussole a été récupérée. J'en ai 17. Ah ok, ils étaient là-dedans. Pikmin de glace. C'est lent. Tiens, est-ce que nous avons là, est-ce que nous avons là un nouveau type de Pikmin? Voyons ce que dit le journal de bord de Monsieur Limard. Pikmin de glace. Je voyais les Pikmin comme des sortes de plantes, mais je ne m'attendais pas à rencontrer les Pikmin de glace. Leur croque glacial permet de jouer l'eau et les créatures, mais ils peuvent aussi flotter sur l'eau comme des glaçons. Ils n'aiment pas qu'on leur arrose la tête. Leur corps est froid comme la glace. J'ai du mal à croire qu'une créature gelée puisse se prôner ainsi, comme si de rien n'était.
Ah c'est bon, avec trop de puces. Hey, les petits. Tiens. Ça fait beaucoup de Pikmin. Ton groupe ne serait pas plus grand que la normale. Ah, j'ai compris. En sous-sol, tu peux avoir plus de Pikmin avec toi à cause des Pikmin sauvages qui se mettent à te suivre. Déjà, j'en ai rien à faire ça. Merde, j'ai mis le chien. Ok. C'est vrai, et Pikmin a arrivé à faire quelque chose. Et voilà, ça a gelé comme ça. Ça doit pouvoir casser maintenant. Donne l'ordre aux Pikmin ou au chat. Alors j'ai envoyé les rouges là-dessus, les bleus là-dessus. Hop, on pète ça. Il est en train de postillonner. Il n'a pas beaucoup de couleurs pour un oignon. Qu'est-ce que vous en pensez, on le récolte quand même? Bah oui. Hop, on envoie le chien dessus. On va envoyer deux. Et voilà! Nous avons trouvé un naufragé! Vite, vérifiez sa fonction vitale. Rythme cardiaque, température, pression sanguine. Pression sanguine. Tout a l'air normal. Son système de survie a bien fonctionné. Tu feras bien de le transporter jusqu'au Beagle pour vérifier son badge d'identité. Hein? Bon voilà un drôle d'oignon. Rapportons-le à la surface pour le comparer avec celui que nous avons. Ah ouais, tu as ménagé cette puissance totale. Je vous représente ce que ce badge d'identité nous apprend. Oh, mais c'est... Russe. Un ingénieur, comme par hasard. Oh! Les étoiles sont louées, il n'a rien. Ah, parce que depuis tout à l'heure, on peut dire, ouais, l'ingénieur, s'il était là, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Hop, on a trouvé l'ingénieur. On change d'ailleurs pas à soi, mais on rassemble nos combinaisons du Shepherd. Ces connaissances techniques nous seront extrêmement utiles. Et bim! Plus que 3 personnes de l'équipe à retrouver. Hop. Je
Alors, il reste ça à casser. Ça m'a l'air ok, donc avant de sortir, on va mettre fin à cet épisode 1. Donc n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire si ça vous a plu. C'était Zorobama, et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci à tous. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.